La pneumologue par qui le scandale du Mediator a éclaté à Toulouse aujourd'hui. Irène Frachon qui venait notamment dédicacer son livre en ombre blanche. Les laboratoires Servier ont justement été entendus mercredi soir à l'Assemblée nationale, sans véritable avancée. Il semble quand même qu'il y ait une reconnaissance du lien entre exposition au Mediator et valvulopathie, reconnaissance qu'il y a eu des décès, mais c'est vrai qu'on n'avance pas beaucoup quand même. C'est un véritable combat pour la vérité. La justice n'a pas une réponse très adaptée face à autant de victimes comme ça d'un drame sanitaire. C'est une course d'obstacles et malheureusement l'obstacle principal, majeur, agressif, c'est le laboratoire Servier lui-même. Réunion publique ce soir 20h30 à l'école de commerce. Demain matin, rencontre avec les victimes aux côtés du député Gérard Bapt.